les Camerounais, il y a les Camerounais. Nous sommes le pays de Manu Dibango. Nous sommes le pays de Richard Bonnard. Nous sommes le pays de Samuel Eto'o. On a une certaine fierté, une certaine prestance. Quand tu veux notre chose, tu demandes doucement. Viens pas avec le boumla. Quand tu veux notre chose, tu demandes doucement. Viens pas avec le boumla. C'est tout. Parce que c'est l'orgueil là qui précède la chute d'un homme. Tu es grand, tu es déjà fini. Tout le monde sait que tu es fini. Au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, on sait que tu es fini. On ne veut pas te manquer le respect, on ne veut pas t'insulter. Tu es venu prendre la chose d'un artiste qui va faire que ça te relance. Tu veux venir prendre la chose, tu dis que oh, c'est un petit frère, tu ne dois lui donner aucun respect. Il dit frère, l'orgueil mal placé te jette au sol. L'orgueil mal placé te jette au sol comme bonjour. Voilà un gars qui a perdu l'occasion de revenir sur la scène musicale. Parce qu'il est orgueilleux, il est méprisant. Il parle, il exploite le travail de quelqu'un, il lui parle avec condescendance. Je suis venu t'aider. Je suis venu te sauver. Tu es Dieu, tu es Jésus. On a peur de ça. Je vais t'aider, je vais te sauver. Tu veux aider, tu prends sa chose, tu travailles l'argent avec, tu ne le donnes pas. Tu veux l'aider, tu prends sa chose, tu vois l'argent avec, tu ne le donnes pas. Petit bandit, tu veux nous apprendre quoi? On sait déjà que quand le goût augmente brusquement, c'est parce que le préseau s'est percé. Et c'est de ça que je parle. Le goût a toujours augmenté. Parce que la façon avec laquelle les gens la cartent, même sur le son là, tu comprends que c'est eux qui ont même besoin du son là. Hein? Tu ne connais pas l'onsang, petit frère, tu ne connais pas le couloir à Mokolo. Quand tu cartes, tu trouves sur le cas qu'on sait. Et vous avez dit tout dans le son. Hein? Quand le client veut le bon produit, on doit lui sortir la matière. Allez, écoutez, il faut. Petit frère, tout est dans la tête. C'est comme au market. Quand le client veut le bon produit, on doit lui sortir la matière. Il tarte, il y a trop sur le. Tous les Ivoiriens sont trop en train de tartir sur le son là. C'est eux qui ont besoin de ça. Oh, on veut aider, on veut aider. Aider maintenant, c'est la force. Tout un pays se lève, on veut aider. Oh, mais personne n'envoie même 5000 à Prince Aimé. Tout un pays veut aider Prince Aimé, mais personne ne lui envoie même 2 colos. Il a Douala, il a le Tchoron pour attacher avec la Flandre. En passant, il y a un grand frère qui a appelé qui veut offrir le iPhone à Prince Aimé. Donc son iPhone, la carte à Yaoundé, il vient porter ça. Avec son frappe sans qu'on l'opposé. Début des hostilités. Les Camerounais ne sont pas des mendiants. En fait, si quelqu'un t'a dit, il a construit ta chose, c'est lui qui a besoin de ça. C'est lui qui a besoin de ça. Mais il veut choisir avec l'orgueil. Oh, tu vas donner ça, oh, on va t'aider. Vous voulez l'aider. Hein? Mettez-vous en Côte d'Ivoire, si vous voulez l'aider, cotisez 2 000, vous lui donnez. Vous prenez. Vous voulez l'aider, non? Mettez-vous en Côte d'Ivoire, vous cotisez 2 000, vous envoyez après ses mails, vous prenez son son. Vous tartiez parce que c'est en fait, c'est vous-même que vous voulez aider. Vous voulez prendre ça, oh, vous brisez avec. Mon ami, il n'y a pas l'aide dans la musique. Quand vous voulez déjà exploiter la chose de quelqu'un, c'est le business, vous négociez. Ah oui, on voulait l'aider, il fallait l'aider, on aime des bandoles. Prenez donc 100 francs, vous le donnez, non? Signez le papier pour lui donner quelque chose, non? Vous refusez. Vous l'aidez en quoi? En fait, c'est votre frère que vous voulez aider. Vous avez même plus besoin de son là que de Prince Aimé. Mais on va vous montrer. C'est la chose de Prince Aimé et il va manger sur ça. Quoi? Même si c'est 100 francs, il va manger. Bêta, ça reste sa chose. Et continue à manger, même si petit, même si c'est petit, petit. Le gros cœur, l'orgueil mal placé. On n'a pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de vous bavarder alors quoi? Quand tu n'as pas besoin, quand tout un peuple n'a pas besoin, vous laissez, non? C'est là-haut, faites alors, on voit, faites alors, vous mettez qui au défi. Vous mettez le Cameroun au défi. Vous mettez le Camerounais au défi. Ma petite, le remix, c'est rien. J'ai confiance. Tenons plus ça en deux temps de mouvement. Avant que la Côte d'Ivoire ne valide Tenor, nous l'avions validé au Cameroun depuis. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Tenor. Ils ont profité de Tenor. Ils ont même gâté son nom. Avant que la Côte d'Ivoire ne dise que Tenor, nous, on avait déjà élevé Tenor. Et Tenor, lui seul, prit le son là en deux. Il ne parle même pas des mix. Ma gasco te jette son son en 2 minutes. Donc, on n'a pas peur de ça. Moi, je connais des Camerounais qui ont encore une fierté. On n'est pas tous des suceurs, des suceurs, des Ndepso. Il y a des Camerounais qui ont encore une certaine fierté. Ils sont capables de se mettre sur Internet et dire que nous on fait. Et vous allez voir. Et vous allez dire que mieux Prince Aimé manger 500 francs que de ne rien manger. C'est son travail, c'est sa vie. Vous savez comment c'est difficile pour un handicapé dans le showbiz de PSC. Vous savez comment c'est difficile. Les gens qui ont toute leur faculté dans le showbiz, ils n'arrivent pas à s'en sortir. On est tout mal parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Vous voyez un handicapé que Dieu a béni. Que Dieu a béni. On veut l'exploiter. On veut l'utiliser. Et je vous dis que toute personne qui a voulu utiliser, ça, utiliser Prince Aimé là, il va très mal mourir. Sa carrière est finie. Tu veux voler l'œuvre d'un handicapé. C'est bien. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Tenor. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va défaire Tenor. Je vous le dis, je vous le répète encore en français facile. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Tenor. Vous avez pris un Tenor que le Cameroun avait déjà fabriqué. Le Cameroun avait construit son armure. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire le fragiliser. Vous allez fragiliser Tenor en Côte d'Ivoire. Vous avez embrouillé son cerveau avec vos fausses promesses que vous êtes en train de faire aux gens là. Vous êtes en train de faire les fausses promesses aux gens. Vous avez escroqué Tenor. Vous ne savez pas que Tenor a failli sombrer dans une dépression à cause de ça. Vous avez utilisé, vous l'avez escroqué, vous avez fait des fausses promesses pour maintenant. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'il a perdu de sa capacité à rapper. Parce que vous êtes toujours comme ça. Quand vous aviez besoin de lui, ouais, Tenor, Tenor. Après, vous avez gâté son nom. Est-ce que vous avez fait Prince Aimé? Vous avez besoin de la chanson Viviane. Vous ne signez pas pour rien. Et vous croyez que c'est avec ça que Desbordeaux va revenir. Rien qu'il n'arrive pas à faire 1 million de vues. Il n'arrive pas à faire 1 million de vues. Il va sauver la vie. Il va sauver Prince Aimé. C'est lui-même qui veut sauver. Mais comme il est trop orgueilleux, trop hautain, trop méprisant,
pour savoir qu'il faut donner un peu de respect à la personne dont tu utilises le travail pour te refaire une santé. Il a décidé que mon ami, ta chute papa, ta chute va bénir de ton orgueil mal placé. Sois malin. Demande pardon après s'aimer, villageois. On a trop peur de vous. On a trop peur de vous. Ça c'est pour les autres qui partent de sucer. Hein. On n'a pas le temps de sucer, frère. J'ai même pas le temps de quitter le Cameroun. Trop les chantiers, qui va contrôler mes chantiers? Il y a au moins 4 chantiers en cours. Qui va contrôler mes chantiers? Hein? Général Franco, c'est ce que je dis depuis. Ça fait un an que Prince Aimé est couché dans la chambre, il pleure, on utilise son œuvre. Je vois quelqu'un assis au Fémia, il a préparé tout un live, tout un show en live sur Prince Aimé, sur la chanson de Prince Aimé. Il mange, j'avais ça. Prince Aimé couché dans la chambre, à Douala, il pleure. Le manager de Prince Aimé, l'équipe de Prince Aimé envoie le truc pour qu'il fasse au moins le futur, il ne donne même pas l'argent. Que même seulement Prince Aimé dans un son, on peut le voir. Il refuse. Il exploite un aveugle. Il exploite un aveugle. On est là au Cameroun, on accepte. Après, on demande que vous étiez où. On n'était pas là. Vous-même, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, on n'était pas là, vous n'étiez pas là, vous avez vu. Et il y a encore un peu de fierté. Et il y a une expression qui est en train de me faire tellement mal quand j'entends vos histoires là. Il est venu aider Prince Aimé. Mais aide-le alors, non? Allez cotiser, vous lui donnez, non? L'aide, ce n'est pas quand tu prends la chose de quelqu'un. Tu utilises, tu manges l'argent et tu ne lui donnes rien. Ce n'est plus l'aide, c'est l'exploitation. Si tu veux aider, tu prends, tu donnes, tu prends le paquet, tu donnes. Comme tu as tout là. Tu as d'abord quoi? Un flottant, tu as d'abord quoi? Il a d'abord quoi? Les mamailleurs, ils ont quoi? Hein? Les Camerounais, ils sont là, ils n'ont plus de fierté. Aider qui? On va t'aider, on prend ta chose, on l'utilise. Hein? Ténor, c'est un monstre. C'est la Côte d'Ivoire qui a fragilisé Ténor. L'envoyé faire le coupé décalé, il faisait avoir le coupé décalé. Ténor, c'est un monstre. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il était juste au Cameroun. Ne faites pas comme si vous avez découvert un gars au quartier que personne ne connaissait. Ténor était juste au Cameroun très mal avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Avant que Viviane arrive en Côte d'Ivoire, c'était un gros hit au Cameroun. Quels sont ces Camerounais qui n'ont plus de fierté là? Non, machin et tout. Oui! Il y a des artistes qui souffrent dans tous les pays. Voilà les comédiens qui sont en Côte d'Ivoire, ils souffrent, vous avez fait quoi pour eux? Vous faites quoi pour eux? Vous voulez aider Prince Aimé, vous avez aidé tous les artistes de Côte d'Ivoire. Vous voulez un peu aider Prince Aimé, vous avez aidé tous les artistes de Côte d'Ivoire. Dites que vous voulez exploiter l'œuvre de Prince Aimé et manger sans rien lui donner. Vous avez toujours utilisé l'expression de l'aide. Quelle aide? Tu voulais l'aider en mangeant sur son travail? Franco Mignon, voilà ça que tu postes ici. Je te prends à témoin. Tous les managers de Prince Aimé ont envoyé des demandes, approché, envoyé des contrats en Côte d'Ivoire à ce monsieur. Prends tes responsabilités. Donne au moins un peu plus de visibilité à Prince Aimé en le poussant dans le clip et le remis qu'il a refusé. Il a refusé de mettre Prince Aimé, il a refusé de donner les droits, il a refusé. Quand on parle, il sort, il dit que Dieu des bandits, Dieu des voleurs, tu le prends pour qui? Tu ne touches plus à ça, tu manques encore sur une scène avec te monter. Tu crois que tu es qui? Oh, on l'aime, vous l'aimez, Prince Aimé, c'est chaud. Cotisez 2 000, vous l'envoyez. Il peut, pardon. Bavada, il y a sûrement sur Facebook. Hein? La Côte d'Ivoire qui a gâté Ténor. Si Ténor était resté sur sa ligne éditoriale au Cameroun, artistique. Les pleurs du Mbolé se fait partout aujourd'hui. Ils ont pu le petit, le tromper, lui raconter les histoires, les promesses fallacieuses, escroquer, utiliser son travail, ne jamais le payer. Quand ils finissent, on dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas fort. Il faut les voir comment ils parlent des artistes camerounais avec condescendance, avec mépris, avec orgueil. Vous faites même qui? J'ai pas oublié d'où je viens. Hein? Moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. Le Cameroun, c'est le pays de Samuel Eto'o, Manu Dibango, Richard Bona, Charles Dipandé, tout le reste. On n'a pas peur de ça. Le Cameroun, c'est le pays de Prince Nikombaga. Vous voulez apprendre quoi? Vous voulez apprendre de quoi aux Camerounais? Hein? On a déjà étudié tous les schémas, laissez ça. Vous pleurez sur la chanson là parce que c'est vous qui avez vraiment besoin de ça. Vous ne voulez pas aider Prince Aimé. On vous a expliqué que Prince Aimé souffrait. Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Cotisez 2 000 alors que vous êtes fort, vous l'aidez. Vous signez le contrat, vous prenez la chanson. Vous voulez prendre avec la force, le Vimbi. Parce que des pétines, des psos sont galères. On va vous dire que le Cameroun, vous pouvez parler fort. Vous ne pouvez pas parler fort ici. Qui vous a menti? Puisque vous voulez contrôler le showbiz camerounais, assis chez vous. S'il est sage, il prend sa valise, il vient à Abidjan, c'est là-bas qu'il va devenir. Il va devenir quoi? Ceux qui ont pris la valise sont partis là-bas, ils sont devenus quoi? Vous avez fait notre soeur ici, elle a cru qu'elle partait en Côte d'Ivoire devenir, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on la voit tout en rond comme la chaise du coiffeur. Elle était beau tout là. Hein? Non, moi je suis fier. Je vais appeler des Camerounais, artistes comme moi qui sont fiers. On va élever Prince Aimé. Je vais appeler des médias, je vais appeler des mécènes et des sponsors. On va élever Prince Aimé. Prince Aimé est un artiste. En plus d'être un artiste, il est un symbole aujourd'hui. Parce que c'est l'un des handicapés qui a réussi à percer là où les autres n'ont pas réussi. Il peut donner l'espoir à toute une nation. Ça a été un moment difficile, il a passé des moments difficiles. On a fauté. J'avoue qu'on a tous fauté. Là, je dis tous, moi y compris. Et toute la diaspora, y compris la baronne de Suisse. Parce que quand il souffrait en Europe, jusqu'à il a demandé qu'il veut rentrer ici. Tu étais en Europe, tu n'as rien fait. Il ne vient pas aujourd'hui dire que Desbordes va l'aider. L'aider qu'il est devenu qui? Mère Teresa. Il veut l'aider qu'il est devenu qui? Il est devenu qui? Mère Teresa, l'UNICEF. Il partait aider tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il y a des artistes qui souffrent en Côte d'Ivoire, il n'a jamais aidé personne là-bas. Il veut aider qui? Il n'existe même que parce qu'Arafat a bavardé sur lui. C'est parce que tu dis à la papa, sinon c'est un flottant qu'on n'a même pas géré. Non, il vous dit encore. S'il veut aider, il aide les artistes de Côte d'Ivoire.
qui ne vient pas prendre la propriété d'un artiste au Cameroun, il en fait sa propriété et dit que dans tes valises, tu vas encore te voir pour changer ta vie. Tu as la vie de qui? Tu es devenu qui même? Jésus? Qu'est-ce qui vous arrive même? J'ai dit que Prince Aimé a souffert. Vous nous demandez qu'on était où? Tous, on a fauté. Moi, je reconnais ma faute et je repars mes erreurs. C'est la différence avec vous. Je vois comment on a exploité, on a exploité Prince Aimé depuis un an. Il pleure dans sa chambre. Son manager envoie les contrats, personne ne signe. On ne le regarde pas, on ne le gère pas, on ne lui donne rien. Il voit partout quelqu'un sur scène, les plateaux télé, le Fémia, il se pavane, on lui donne l'argent. Il organise des spectacles live, il chante Viviane. On va demander, non, j'ai fait une vidéo TikTok, je voulais l'aider. Non, tu n'es de personne. Ta vidéo TikTok est monétisée, tu touches l'argent avec. Tu n'es de personne. Tu es un voleur. C'est ce que tu es. J'ai encore une fierté. Tous, tu peux parler là. On a tous fauté. Moi, je reconnais ma faute. T'es trop occupé dans mes chantiers à gauche, je ne dois pas réfléchir que. Vous étiez en Europe, avec Jacques Amoise. Vous étiez en Europe, Lady Ponce. Vous étiez en Europe, la baronne de Suisse. Lady Ponce m'a souffert là-bas. Parce qu'avant que la souffrance arrive ici, vous le reparle. Il a d'abord souffert en Europe, devant vous. Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, vous dites que vous encouragez des Bordeaux à venir prendre, s'approprier son œuvre. Tu peux accepter, toi, Lady Ponce, que quelqu'un prenne ton œuvre. Il chante, il touche les doigts, il met sur les plateformes de streaming, il fait tout. Et il ne te dit même pas merci. Merci. Vous vous levez, vous faites les posts. Ponce m'a souffert en Europe, devant vous, vous n'avez rien fait. Il a tellement voir qu'il a demandé que parler rentrer au Cameroun. Que mieux pas mourir au village. Vous dites aujourd'hui que vous étiez où? Vous-même, vous étiez où? La diaspora, vous étiez où quand on était souffert en Europe? Vous étiez où? Aujourd'hui, on est là. Et on va réparer nos erreurs. C'est pas parce qu'on n'était pas là hier qu'on va prendre son œuvre. On va le briser, le coucher ici, là. On lui donne le coup de grâce, nous on le garde. Parce que c'est le coup de grâce qu'on essaie de lui donner. On prend son œuvre, on utilise. Il demande même pardon. Pardon, il veut quelque chose, on dit jamais. Pardon, je vais être dans le clip, on dit jamais. Ah, mon frère.